Salut tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc comme vous voyez, j'ai pas mal XP et aussi j'ai fait pas mal de karma. J'ai donc maintenant la panneau aventurier, puis j'ai vendu aussi ma farine. Donc vous voyez que maintenant je suis niveau 22. Et du coup on se retrouve pour faire une vidéo de la tanière du Beauvetou. On clique sur le PNJ et on demande à affronter le Bouffetou sombre. Hop. C'est parti. Alors. On va le coincer comme ça. Oh, je pense c'est faisable. Ouais. Tranquille, tranquille. En plus, on fait les deux challenges. Qui va me faire level up. Donc maintenant on va faire le Bouffetou céleste. Hop, utiliser la boîte à badge. Il est niveau 15, ça va, on va le faire easy je pense. On va le faire la même. On va le bloquer. Ah, par contre, s'il se régène, ça va être un peu plus long. Aïe. Normalement ça passe, yes. Fou. Donc on a drop une partie de la panoplie du Bouffetou céleste. C'est cool ça. Hop, on a la quête de terminer. Ça fait un peu de karma, des badges et de l'expérience. On va mettre les points dans la chance, parce que comme vous voyez là avec ma panneau aventurier, j'ai pas mal de points de caractéristiques, donc je vais vous montrer, je vais l'enlever là. Hop. Et que là direct, là j'ai beaucoup moins. Du coup j'ai déjà mis 100 points de base dans la force et 10 points dans la chance. Après, ça dépend pour vous de vos attaques. Donc aussi, je voudrais voir aussi pour le Piou céleste. C'est où le Piou? Tofu. Et ça, c'est le Piou. On va aller voir le tofu, là. Je vous retrouve quand j'y suis. Donc voilà, ça y est, j'y suis. Donc je sais pas si ça va passer, hein, mais on va tester. Hein. Alors, c'est parti. Je ne sais pas du tout comment il joue. Hop.
Hop, moins 49. Oh, je pense que je peux le faire tranquille. Hein. J'ai du moins. Ah oui. Moins 38. Oh, tranquille. Hop, le deuxième. On lui refait la même chose. Voilà. Ah, lui il fait spawn des tofu. Bon, c'est pas grave, je pense que ça va quand même passer. Hein. Mais t'en vas pas. Bon, bah on va attendre qu'il revienne. Hein. On va pas bouger. Hop. Bouge plus, mon petit. Après, ce personnage est très fort parce que quand même, quand il tape, il se régène en même temps. Et en plus, il fait quand même assez mal. Hop, voilà, ça passe aussi. Donc voilà, on a récupéré un morceau de la panoplie du tofu céleste. Aussi la petite quête qui me fait level up. Donc je suis actuellement niveau 24. Hein. Donc maintenant je vais aller voir pour une autre tanière. Je vous reprends après. Donc voilà, on y est. On va faire le petit combat. Utiliser la boîte à badge. Il est niveau 20, donc je pense que ça peut passer normalement. Hop. Mais le petit masque de classe. Comme ça, on a des tacles en plus. Si on l'a au corps à corps, on aura plus de chances de bloquer. Hop. Avec mon attaque qui lui retire de la fuite. Ah, il fait quand même assez mal, hein. Mais c'est pas grave, de toute façon je me régène. Aïe. Hop, moins 50 encore. Et voilà. Donc moi je n'ai pas le bonus pack, hein, ce qui sert à avoir plus 150% d'expérience en plus dans les combats et avoir les 50% en plus dans les métiers d'expérience dans les métiers. Donc il coûte quand même assez cher, hein. On verra pour plus tard, hein. Donc on va faire le plus céleste. Hop, on va aller voir, hein. On va tester. Attends, j'ai pas toute ma vie. On va s'asseoir tranquillement. Ça va parce que je régène quand même assez vite. Hop, là je suis déjà full. Hop, on y va. Il a combien de vie? 220? Ah oui, les résistances. 25 de partout. Aïe, bon, je crois que ça va être chaud à passer ça. Bon, ça va, je le fais les 61. Aïe, moins 60. Coup critique, moins 56. Oh là là. Oh, bah, j'ai perdu. J'ai clairement perdu. Bon, vous savez quoi? Je vais essayer de le retenter, mais de le taper de loin avec une autre attaque. Mais bon, ça va être compliqué.
Hop, on régène vite fait. Alors pendant ce temps-là, moi du coup j'ai découvert Astrub, donc là où j'ai vendu mes farines, dans le, du coup là, en appuyant sur le petit kama. Ensuite appuyez là. Et du coup vous pouvez mettre n'importe quel truc à vendre. Et donc je me suis fait 10 000 kama. Et du coup je suis allé à la banque d'Astrub, donc la seconde île, qui est après l'île définitive, où en fait dessus il y a plein d'îles différentes et tout. Et il y a plusieurs différents, il y a plusieurs métiers différents. Donc j'ai appris le métier de tailleur. Et du coup bah là je suis déjà paysan à niveau 15. Mais bon après je pense que paysan c'est pour le début, c'est pour se faire un petit peu de kama. Bon c'est parti, on va retenter le deuxième. Ah, j'ai plus de badge, donc RIP. Attends, je fais la nouvelle vite fait là. Je ne sais pas du tout où on les achète. Ça met quoi à faire ça comme ça? Hop. Tofu céleste. Oh, ça va, 29 kama. Ah, c'est le plus céleste. Mince. Mince, mince, mince. Hop, 148. Aïe. Attends, je l'ai là. Ouais, c'est bon. Hop, on retente. Mais bon, si je perds, bon, c'est pas bien grave. Hop. Donc on va essayer de le jouer de loin, mais même si il a un peu de PM, on va le jouer de loin. On va mettre le masque. Hop. Et on va jouer cette attaque. Hop. On recule. Hop, hop. Quoi? Je lui mets du 3. Je lui mets que du 3. Je crois que ses boosts ont changé. Enfin, ses caractéristiques ont changé, je crois. Ah non, c'est juste un pouvoir. Non, même pas. Ah si, ça va changer après. Oui, là, il va me taper. On va faire ça comme ça. Hop. Voilà. On va essayer de continuer comme ça. Même s'il fait très très mal et que j'ai quasi aucune chance. Ouais, j'ai clairement perdu en fait. Ah, rip. Bon bah c'est pas grave. Hein. Bon bah on se retrouve dans une prochaine vidéo pour l'épisode 4. A plus!